Alors, on se retrouve pour une nouvelle activité avec les alphas. Donc, pour commencer, vous allez écrire votre prénom ici et puis la date. Ensuite, vous allez regarder les images. Alors, comme la dernière fois, vous remarquerez qu'il y a des lignes. Voilà, trois lignes. 1, 2 et 3. Et à chaque ligne, il va falloir deviner quelle lettre on recherche. Par exemple, ici, j'ai comme image lion, lapin, langue. Est-ce que je vais rechercher le nez, la limace ou le robinet? Je recommence. Lion, lapin, langue. Est-ce que je recherche le nez, limace ou robinet? Alors, quand vous avez trouvé, vous coloriez le mot et vous essayez de le lire. Et ensuite, vous essayerez de retrouver l'image ici. D'accord? Donc, deuxième ligne. Manteau. Moustache. Mouton. Manteau. Moustache. Mouton. Est-ce que je recherche la lettre L, M, N, manteau, moustache, mouton? Est-ce que je recherche la lettre L, M, N? À vous de voir et de colorier le mot. Et ensuite de le retrouver ici, puis de le coller. Dernière ligne. Vague, valise, vélo. Vague, valise, vélo. Est-ce que je recherche la lettre, le son ch, ou v? Ou v? Et vous, une fois que vous avez trouvé le mot ici, vous le coloriez et vous le recherchez ici. Donc ici, j'ai un lit, mur, char, vache, fiche, rame. Maintenant, vous pouvez faire pause, faire l'exercice et quand vous avez terminé, vous cliquez à nouveau sur lecture pour voir la correction. Allez, c'est à vous. Et voici la correction. Donc, lion, lapin, langue, j'entends le son L. Et ici, c'est écrit L, et c'est un T muet, parce qu'il est en gris clair. Toutes les lettres qui sont en gris clair, on ne les entend pas, ce sont des lettres muettes. Enfin, celle-ci. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, deuxième ligne, manteau, moustache, mouton. Manteau, moustache, mouton. J'entends le son m. Il est ici et c'est écrit mur, mur. Et je recherche ici le mur, mur. Troisième ligne. Vague, valise, vélo. J'ai trouvé le son. Et c'est écrit ici. Va, vache, vache. Et voici la vache. Voilà, c'est à vous maintenant.